qui viennent directement de l'hippodrome de Vincennes. Oui, ça, vous avez le programme ici. Nous, c'est un événement qu'on fait, c'est la troisième année qu'on fait cet événement-là. C'est un après-midi qu'on consacre aux courses de Vincennes, et puis on a une autorisation spéciale de l'Auto-Québec. C'est eux autres qui s'occupent de ça. Ils vont le montrer là. Oui, on va avoir la course. On a eu la première tantôt, on va avoir la deuxième. Monsieur Barton, j'ai pas d'argent. Je savais pas. Ben, je suis sûr que votre année va rentrer. Je reviens dans 30 secondes. Hé! Hey. Frank. En fait, lui, c'est un Français. Ben oui, lui, son oui, père, ils ont des chevaux de course. Et... Là-bas. Oui, cette famille. Mais alors, à l'actuel, j'ai pas joué la première course, j'ai pas joué parce que je connaissais pas les. Moi non plus, je ne suis pas du tout. Ah non, mais pas au courant, mais la deuxième, ça avait intéressé. Je les connais plus. Hein. Ah. Que... Et la première, il a gagné, Michel. Il avait gagné. Oui, il a gagné, là. C'est bien, t'as gagné combien hein? Ah, j'ai gagné. Tu veux savoir combien 4 000 $. 4 000, pas mal. 4 000 $, vous avez gagné. Oui, oui, oui. C'est bien. On va essayer de gagner plus la deuxième. Bonne course aussi bientôt, OK. Mais bonne course. Merci. Merci, madame. Oui, je viens souvent au Québec. Ah, oui. Ah, oui, oui. Comme un Québec. Roger m'a prêté 100 $. J'ai prêté 100 $. C'est 50 $ le pari minimum. Chaque fois? Ah, oui. Oui, mais là, il reste... Peux-tu payer quelqu'un de plus? Oui, aussi. Alors moi, là, directement, dans la deuxième course, j'ai examiné ça, Barvillaise. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 100 $ sur Barvillaise. Sur qui? Barvillaise, le premier. Le numéro 1. Et je vous recommande fortement de parier sur ce cheval-là. J'ai examiné toute la liste. Celle-là? Oui. Je vais prendre votre nom, monsieur. Barton. Mais combien vous avez donné d'argent? Ben moi, j'ai donné 100. Il y avait 50, si vous voulez. Vous gagez tous les jours? Ben, je gâche pas tous les jours, mais je suis souvent... Je pense que je vais faire ce qu'il a dit, monsieur Barton, mais... Barvillaise. Je suis pas venu pour gager. Ben, en tout cas, je vous le donne? Oui, je vous donne un mais, OK. 50 $? Oui. Moi, Daniel Doris, D-O-R-I-C-E. Une coupe de main. 4 000 avec 200 $. D'accord, je gagne. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est de gagner, on fait ça. Un moment. Oh, c'est le temps. C'est le temps. On se retrouve sur les bornes de Vincennes pour le prix Isoldain, l'épreuve pour des femelles disputées sur 2000 mètres. Ils ne sont que au départ dans cette épreuve avec trois grands favoris. Le numéro 6, Bella Vita, à la cote de 2,50 €. Le numéro 8, Belisha, à la cote de 3,10 €. Deuxième favori. Le troisième favori, c'est le numéro 5, Belisor, à 7,1 €. Et le numéro 1, quatrième favori, Barvillaise. Ce Barvillaise, qui est un excellent cheval, est doté d'un caractère hors du commun, qui est capable d'en voir le meilleur comme du pire. Alexandre Bell et Barvillaise dans la corde, alors que Alexandre fait le favori, le numéro 8, c'est pas dans le Sénisa. Au départ pour le disputer cette épreuve, je vous rappelle, sur 2000 mètres. Ils ne sont que 8 au départ. Ils vont bientôt tourner pour. Voilà, il s'élance avec un excellent départ le long de la corde du numéro 1, Barvillaise. Dans son dos se trouve le numéro 5, Bellisor, avec le long de la corde le 3, Bora de Beaufal, plus loin le 7, Bellafina, suivi du 5, Bellisor. Pour l'instant, à l'arrière-garde, qui ferme la marge, c'est le 2, Basia. En général, maintenant, ils ont pratiqué 2-3 mètres de course, et c'est Barvillaise. En avant, c'est là que vous restez, vous le prenez. Avec le 8, ils veulent passer. Non, qui attend son heure également, et c'est toujours ce numéro 2, Basia, ferme la marge. On va aborder le premier tournant, toujours le tournant que l'on accorde du numéro 1 par Barvillaise. Et Barvillaise le caracole en tête, pas de problème pour Barvillaise maintenant, qui mène tête et corps à incroyable, c'est Barvillaise maintenant qui va rentrer en tête dans les lignes d'arrivée, qui est réactionnaire, qui possède maintenant. J'ai hâte de savoir combien je vais gagner. Va l'emporter facilement, alors que très loin maintenant, je trouve le 7 de la finale. On est pratiquement aux abords du poteau et sans une faute maintenant, une victoire confortable pour le numéro 1. Barvillaise maintenant, qui va passer le poteau et qui va certainement l'emporter facilement. Extraordinaire, mais que se passe-t-il, Barvillaise? Il n'a même pas rentré. Mais non, il est allé pour goûter. Vous l'avez vu? Oui, mais pour... Ton ami, as-tu gagné? C'est pas, il a l'air d'avoir gagné, lui. Ah ouais? Écoutez, on va s'en reprendre la prochaine, là, ça c'est... Et tout d'un coup, que je... faut pas que je perde. Là, c'est un accident, là. Que... Comme d'autres paris? OK, là, c'est Yalcen.
Alcène, moi, je vais y aller avec 100$ encore, là, puis cette fois-là, ben là, c'est comme 20 jours, mon gars. Tu le mets 50. Le Mike, là. Ce cheval-là, c'est sûr, certain. Mais non, mais je veux dire, je ne sais plus, là. Mais je veux dire, c'est pas de votre fondeur. Alcène. Moi, je sais 20. Mais vous êtes sûr, monsieur Bartoli? Est-ce que je dois déjà... Numéro de cheval? Ah. Bonne chance. On se retrouve sur l'hippodrome de Vincennes pour cette épreuve, le Prix d'Eringia, une épreuve attelée pour des mâles sur 2375 mètres. Tout de suite, les favoris. Le premier favori de l'épreuve est le numéro 6, Acantos, à la cote de 2 francs 50. Le deuxième favori est le numéro 8, Alpaga Dupont, à 6 francs. Et le troisième favori est le numéro 1, Alcène, à 10 contre 1. Ce numéro 1 qui est extrêmement joué en dernière minute sur l'hippodrome de Vincennes. Dans quelques secondes maintenant, il tourne, il vole. C'est course sous arrêt. Tantôt, on va avoir une course avec les jockeys sur les chevaux. Ça, c'est beaucoup plus rapide. Et voilà, ils sont partis tout de suite avec un excellent départ du numéro 6 à Tantôt. Attendez que j'examine ça. Du numéro 3. Vous avez mis combien? Vous avez mis 50$? Oui. Vous pourriez gagner aux alentours de 3200. Suivi du 5 Atom de Mai, alors qu'il y a un très mauvais départ du numéro 1 Alcène, ce Alcène qui était le troisième favori de l'épreuve. Où il est Alcène? Du numéro 8 Alpaga Dupont, toujours ce malheureux Alcène qui vraiment est très très loin, ce Alcène, ce numéro 1 qui aura beaucoup de mal à revenir sur le groupe de tête. On va aborder maintenant les 901 derniers mètres, toujours sous le commandement du numéro 6, Acanto. On aperçoit maintenant le numéro 1, Alcène, qui va prendre un tour complet de retard. C'est incroyable, ce numéro 1, Alcène, il va prendre pratiquement un tour de retard par rapport à ses adversaires. Alors que maintenant, ça y est, le numéro 1, Alcène est enclenché, repart quelque peu. Maintenant, il se repose. Il a l'air de repartir, ce numéro 1, mais c'est toujours le numéro 6, Acanto, qui est le leader de l'épreuve. Toujours suivi du 3, After G, avec lui. Là, je m'excuse. Là, je vous aime beaucoup. Je vous respecte beaucoup, mais je crois que c'est moi. Oui, c'est pas correct. Je m'excuse, je ne veux pas être impoli. Je ne veux pas perdre un contrat non plus. Super, non, mais là, ça, c'est dur. J'ai pas l'habitude de perdre, là. J'ai gagné la première tantôt, là, je viens d'en perdre deux en ligne. Est-ce que ça vous dérange de vous demander à quelqu'un d'autre? Je m'excuse. Moi, le prochain, là, j'ai gagné ça aussi. Prochain. Dans le prochain, là, là, c'est pas le même genre c'est de course. C'est la 4? Ouais, là, c'est la 4. Ouais. Madame Doris, okay. Je vous laisse. Moi, là, je dois aller. Je vais m'absenter quelques instants. Je vous laisse 500$. Vous mettez ça, s'il vous plaît, sur Anita Royal, conduit par Zéron, le 16. 500$? Oui, pas de problème, je reviens. Je reviens dans deux minutes. Pas de problème, ça, c'est sûr, certain que je gagne avec ça, moi. Pas de problème. Je vais venir dans 5 minutes. Wow, pas, aucun problème. 16. Monsieur, monsieur, vous avez gagné? Ben oui, j'ai encore gagné. J'ai encore gagné. Il est où, Michel? Mais non, c'est quoi votre nom? C'est quoi votre nom déjà? Franck de Guine. Franck de Guine. Oui, parce que mon père. Il me donne c'est... 500$, là. J'ai vu que j'avais même pas le même numéro. Je l'ai rencontré, lui. Anita Royal. Richard Zéron. C'est pas bon. Non, mais chez Richard Zéron, ça marche pas. Il est pas tellement beau. Là, il est un peu gros. Il a grossi. Il a mangé. Il a mangé. C'est parce que c'est le seul jockey. Et puis là, l'entraîneur, c'est Simon Grenier. Il m'en a parlé. Là, je prends le 19, Alésia de Vandel. Là, je vous conseille Alésia de Vandel. C'est le meilleur. Donc, moi, je vous conseille. Le numéro 19? Oui. Moi aussi, d'ailleurs. Mais je vais gager pour monsieur. On va tout y mettre. Tout d'un coup, il a marqué 16. On va mettre le. Il va être bien content, mec. Tu mets 500 pour monsieur. Gagé, gagé. 500 pour monsieur. 19. Ouais. Oh, il va me tuer, il m'a demandé le nom. Tu donnes votre nom, monsieur? Ça, c'est pas lui qui gage, là. C'est non. Vous? Non, c'est. C'est l'autre, Michel. Monsieur Michel. Ah, le 500 oui. Pour monsieur Barton. Monsieur Barton. Ouais. Okay. Non, moi j'ai déjà gagé. Nous, c'est avec une autre jeune fille. J'ai déjà parié 500. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. Moi, il m'a dit d'être sûr de mettre le 500 sur ça. Tout d'un coup, qu'il fâche. Mais c'est toi qui vas en prendre la responsabilité. Bon. Je serai après. Bien là, madame. Écoutez, je vais retourner à ma table. Deux fois que vous gagnez. Ben oui, monsieur. Mais j'ai fait gagner toute ma table parce que je l'aurais fait. Bon, ben alors, OK. Merci. OK, je vais vous laisser. Là, okay, merci. Et en plus, je suis sûr que Michel va être content. Dites-lui rien, faites-lui la surprise. Là. Gardez-le, il va être surpris. Mets-le en dessous. Sous, ici. Oui, gardez-le, ici. Là, puis vous lui montrez à la fin. Okay. Il va être surpris, il va gagner, mais il va être déçu.
Il s'élance tout de suite. Voilà, parti tout de suite avec un très bon départ à l'extérieur du numéro 16, Anita Royal, qui a pris le meilleur départ. Ah, Anita Royal. On approche à l'extérieur. Anita Royal à 140, elle comprend, je vous rappelle, et ici même, c'est ses cordes. On a plus son argent. Numéro 16. Qui est match pour cette écorce de ce numéro 16, Anita Royal, le caracol en tête. Numéro 16. Alors que le numéro 8 dans son dos assure que le numéro 1 fait rien sur le leader, alors que le numéro 4 est en train de se faire un petit peu. Il est arrivé maintenant et pas de problème pour le numéro 16, Anita Royal qui va l'emporter dans un véritable panthère. Alors que le numéro 8 assure que le numéro 8 est très fort en cette suite, c'est le numéro 16 qui l'emporte facilement. Assure que le 8 est deuxième. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Comment? 6800 piastres dans nos poches. Hein? Combien? 6800 piastres, je dirais. Anita Royal. Tu sais, je le savais. Anita Royal, bravo! Bravo! Hein? Vous l'avez dit, Mme Doris? Êtes-vous contente? C'est parce qu'on ne l'a pas gagé. C'est, pas, c'est une blague que vous faites. Là. Vous n'avez pas gagé mon cheval. Mon ami là-bas. J'ai donné 500 $ pour gager sur le cheval numéro 16. Puis vous me dites que vous avez gagé sur qui? Sur lui. Sur Alésia. Alésia de Vendel, un cheval qui n'a jamais gagné une course de sa vie. Vous avez dit de me faire confiance. Vous l'avez dit, mais c'est votre argent, là. Là, vous venez de me faire perdre 6 800 $. Bon, ça va passer. C'est Roger qui l'a fait. C'est à vous que j'avais donné l'argent, Mme Doris. Vous avez donné mon argent. Non, non, mais j'y ai pensé à lui. Puis lui a donné... pas ça sur le dos de Roger. Mais non, mais Roger, dis-le, là, t'es mon ami. Mais tu l'as dit. Non, non, c'est parce que c'est Frank qui est venu nous voir. Puis oh, qui nous a dit que c'est puis. On peut oublier le contrat. Hein. J'en prends la responsabilité. Puis je peux pas vous mettre le 6000, mais je peux vous mettre le 500. On verra ça, là. Là, il y a une dernière course là, qui commence bientôt. Là. Mais là, je sais que vous ne pourrez croire rien. Là. Mais je vais aller avec vous cette fois-ci. Oui? Ouais. Ça commence. Ça commence, en tout cas. Et c'est ça. Marcel Béliveau. Marcel qui? Oh my God!